Europe 1. Ladies and gentlemen, Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. For the presidency of the United States. En route pour la Maison Blanche. Bonsoir Xavier Yvon. Hello Nicolas, bonsoir à tous. Alors vous êtes aujourd'hui en Caroline du Nord à Greensboro et vous attendez Hillary Clinton qui vient pour faire son premier meeting depuis son malaise il y a quelques jours et cette fameuse vidéo où on la voyait tituber. Oui, c'est aujourd'hui sa grande réapparition publique. On ne l'a pas vue depuis dimanche, depuis qu'elle s'est montrée brièvement pour montrer qu'elle allait mieux. Elle a disparu ensuite, cloîtrée dans sa maison près de New York pour se reposer et soigner sa fameuse pneumonie. Alors, ce show Hillary, le retour, eh bien, ça va se passer ici, sur le campus verdoyant de l'université de Greensboro, où je me trouve actuellement. Ce sera dans 3 heures exactement, mais il y a déjà du monde. Il y a une petite file d'attente là, qui se forme devant moi à l'entrée de la salle. On se met à l'ombre pour se protéger du soleil, qui est assez fort ici. Alors, je vous rassure, le meeting, ce sera à l'intérieur, pas à l'extérieur. Pas de risque de coup de chaud cette fois pour la candidate. Dans les premiers arrivés, il y a Randy avec son t-shirt I am with her, je suis avec elle, c'est le slogan de ses supporters. Et Randy, il est venu tôt pour être dans les premiers rangs, pour pouvoir être devant, pouvoir bien la regarder et puis la pousser, la soutenir, parce que Randy, il a bien conscience de l'enjeu très fort de ce meeting. Je pense qu'elle va devoir montrer un peu d'énergie sur la scène. C'est important. Le monde entier va la regarder, alors je prie pour qu'elle fasse un bon meeting aujourd'hui. Elle va être regardée sous toutes les coutures. Je suis sûr que Trump va commenter ça sur Twitter, mais je pense que les antibiotiques ont fait leur travail. Ça va aller. She'll be fine, ça va aller, c'est ce que dit Xavier, ce fan d'Hillary Clinton. Est-ce que vous savez de quoi elle va parler ? Ah non, on n'a pas eu le thème de son intervention. D'ailleurs, on a eu très tard les détails de ce meeting, le lieu, l'horaire, etc. Visiblement, son équipe a attendu d'être sûre qu'elle sera remise pour organiser ce retour sur le terrain, parce que pour elle, c'est important, évidemment, de réussir ce retour. Son absence est très mal tombée dans un moment où la campagne s'emballe, dans un moment où Trump remonte dans les sondages. Alors, Hillary Clinton le sait, vous avez entendu Randy, son fan, on va moins l'écouter que la regarder. Et ça agace pas mal de ses partisans ici qui préfèrent insister sur l'importance d'avoir une femme à la Maison Blanche, etc. J'ai parlé avec Kim qui est assise dans la file sur son fauteuil pliant avec son porte-boisson, elle a tout prévu. Et bien cette maman de deux garçons en a assez qu'on lui parle de la santé de sa championne. Je ne pense pas qu'elle va s'effondrer. C'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer. Quand Roosevelt était président, il était en fauteuil roulant et ça ne faisait pas de différence. Il était toujours brillant. Et maintenant, oh mon Dieu, elle tousse. Et ça y est, c'est la fin du monde. Ce qui compte, c'est pas qu'elle tousse. Entre deux phrases, c'est ce qu'elle dit. Voilà, c'est pas l'important qu'elle tousse. Ouais. Si elle tousse, je peux vous dire que ça va être commenté. Hein. Ça va être commenté, décortiqué, analysé et exploité par ses adversaires. Et vous serez le premier à tendre l'oreille, Xavier Yvon, pour voir si elle tousse. En parlant de ses adversaires, Donald Trump a publié justement son bilan de santé aujourd'hui. Oui, chose promise, chose faite. Bon, c'est un résumé assez court de son médecin personnel. On y apprend qu'il prend des médicaments anti-cholestérol, qu'il est en surpoids, il fait exactement 107 kilos et que, bon, en gros, il est en très bonne santé, dit son médecin. Et si vous voulez être vraiment rassuré, sachez que ses parents sont morts à 90 ans. Xavier Yvon en direct de Caroline du Nord. Il sillonne les États-Unis pour nous raconter tous les soirs la campagne électorale. Merci beaucoup, Xavier.